Alors bonjour à tous et salut à tous, c'est TheSword 54L. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Moi ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo Harry Potter, qui n'est pas sur un 4 mais sur un 5 à 7. Voilà, donc moi je suis sur PS. Pareil, avec Harry Potter Collection, je vous montre à la fin de la vidéo. La cassette de Harry Potter Collection. Alors moi sur donc au niveau des mages sombres les personnages avec de la magie noire, donc je les ai tous débloqués, il n'en manque qu'un seul, donc c'est Tom Jedusor, le dernier. Je vous montre ça vite fait. Donc là, j'ai les filtres. Donc là, on a tout ce qui est de la maison Gryffondor. Donc, on a Albus Dumbledore, Minerva McGonagall. Après, on a Hagrid, Godric Gryffondor. Donc, lui, c'est le créateur de... un des créateurs, des fondateurs de Poudlard. Ginny Weasley, Fred. Donc, Neville Londubat, qui est vraiment assez connu. Donc, George... Après il y a Dan Thomas et Danny. Donc je crois. Donc j'ai débloqué les deux versions. Après on a Lily, les premiers parents d'Harry. Après il y a James Potter. Ernie Dolmur, c'est le conducteur du Magicobus, pour ceux qui ne savent pas. Sirius Black quand il est normal. Et Sirius Black quand il est sorti d'Azkaban avec un Animagus. Vu qu'il peut se transformer en Pat Mole. Donc voilà. Charlie Weasley, c'est. Je sais plus qui c'est. Bill Weasley, Molly Weasley, Arthur Gillet, Coin de Vert. Alors lui c'est la magie sombre et Animagus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, Peter Pettigrew. Donc après on a le rayon Serpentard, donc Professeur Rogue, donc Severus Rogue. Lui on sait qu'il est un Serpentard. Le professeur Slughorn, Salazar Serpentard, le créateur de cette maison. Après j'ai Drago en pull et Drago Malfoy. J'ai Crabbe en pull, Blaise Zabini et Blaise en chemise noire. J'ai mes Serpentards à chaque 1 et 2. Lord Voldemort, donc ça c'est les mages sombres. Ça c'est Tom Jedusor. Bellatrix Lestrange, Bellatrix Azkaban. Lucius Malfoy et Lucius Mangemort. Narcisse à Malfoy, pour ceux qui veulent voir la baguette, n'hésitez pas à aller voir sur un site. Après j'ai Alecto Caro et Amicius Caro. Professeur Ombrage, donc Ombrage en magotte. Après ici on a les fantômes de chaque maison, donc le Baron Sanglant. Donc Helga Poufsouffle, c'est une des fondateurs aussi. Robin Asserdeck, pareil, donc voilà, je vous ai cité en même temps les quatre fondateurs de Poudlard. Alors là, j'ai Mini Géniard, Ollivander. Je savais pas que Ollivander était Asserdeck, je ne savais pas. J'ai découvert en même temps que vous les personnages qui étaient Asserdeck. Alors là, les mages sombres, je vous ai pas tout présenté. Donc là j'ai le mange-mort, donc j'ai débloqué. Fenrir Greyback, lui aussi, donc tous les mange-morts ont des Avada Kedavra, donc vous voyez les magies, donc il y a un Madame Black, je sais pas pourquoi, elle a un truc comme ça. Animaux et les Animagus, alors j'ai le Slughorn jeune, Professeur Slughorn normal, Horace Slughorn, on peut, entre parenthèses, Horace Slughorn. Ça c'est Slughorn en pyjama, que je n'ai pas débloqué. Ginny Weasley, donc là, elle a Arnold. Leur explosif, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Donc Neville, avec qui est accompagné de Trevor. Crocure. Lucius Malfoy et Lucius. Mangemort. Coin de Vert, c'est un Animagus. Sirius Black, pareil. Alors ici, j'ai presque tous les moldus. Les craquemolles, donc créatures... Dobby, Bogrod et Gripsec, ce sont tous des craquemolles. Alors Argus Rosard,
Bathilda, serpent. Vernon Dursley, Pétunia, Dudley. Membre de la bande à Dudley. Madame Cole, laitier. Madame Fig, chef de gare. Les serveuses du chino, ce sont tous des moldus. Le squelette, c'est une craque molle. Oh! Donc j'ai pesé, je ne sais pas qui c'est. Donc ce squelette, il coûte 5 millions. Donc j'ai réussi à l'acheter avec tout ça. Donc. Donc la personnalité, il n'y en a que deux. Donc là, vous avez tous les personnages. J'ai Kingsley. Alors. Donc déjà ici. Donc j'ai un vieux et un jeune. Alors moi j'aime bien prendre le mange-mort, je sais pas pourquoi j'aime bien. C'est juste sa tête que j'aime bien. Bon, je vais le prendre. Donc dans l'année A4, il fait pas comme Drago Malfoy, on a une 5 à 7, il tient sa baguette comme ça. Donc il lance des Avada Kedavra. Donc vous pouvez tuer les gens qui sont autour, donc là. Là j'ai tué la personne. Donc par contre dans la rue il n'y a plus de personnages, je les ai tous tués. Et grâce à ce sortilège de la mort. Donc je vous avais dit que les sortilèges impardonnables, je vous laisse les. Je vais pas vous les présenter tout de suite, mais je vous les présente dans une autre vidéo. Alors déjà nous avons 1 659 167 briques dorées, 5 emblèmes maison complets. 49 étudiants en danger sur 60, car ils font des blocs à 60. 137 personnages. Donc, normalement, je devrais avoir les 200. J'aime bien lancer ce sortilège. J'aime bien ce sortilège. Après, dit Findo, ben, ça, c'est un sortilège pour couper les murs rouges. Avada Kedavra, je vous montre. C'est un sortilège impardonnable. Je vous le montre dans une prochaine vidéo. Wingardium Leviosa qui permet de faire voler sa victime. Donc qui permet de la faire voler. D'habitude dans l'année 1 à 4, nous avons quelque chose qui permet de. Et bien genre de. D'avoir Crucio, un quatrième sortilège impardonnable que je vous dirai son effet. Reducto. Et bien ce sortilège là, il fait exprès pour casser les murs argentés. Expecto patronum pour se protéger des trackers. Donc ça fait cette petite chose là. Donc ça fait pas comme dans le film, c'est à dire il y a un sort de rayon qui dès qu'on met la baguette comme ça, donc en l'air, donc il y a un petit truc où qui est un mur, une limite pour les détraqueurs. Agomenti, ça permet de faire gicler de l'eau, donc ça peut être trop marrant. Donc par contre le bruit sort de ma manette, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange. Vous faire tomber les gens. Donc voilà, hop, le funny. Après l'humo solemne qui permet de faire la lumière et surtout d'aveugler sa victime. Je vais l'aveugler. Regarde, on dirait un dab. Diffindo, ben je vais vous montrer qu'est-ce que c'est son effet, Diffindo. Donc sur une victime. Hop là, hop, ça fait ça. Ben, la caméra, je vais vous montrer. Donc, voilà, ça permet de tuer sa victime. Donc je vais hésiter à reprendre du Minecraft. Dans quelques instants, je vais reprendre le Minecraft. Donc voilà. Alors donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait encore et activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo sur soit sur Minecraft ou soit sur Harry Potter Collection. Donc voilà, donc le petit mot de la fin. Je vous avais dit que j'allais vous montrer la petite chose, la cassette. Donc j'évite de filmer la maison.
Donc alors, je vais... Donc voilà la cassette du jeu. Donc voilà, c'est avec Harry Potter, on est à 4 et 5 à 7. Donc ce qu'on joue là. Donc notre magnifique Mangemort. Voilà. Bon, alors ici, vous avez des descriptions. Je vais pas tout vous lire. Donc j'ai acheté à Phare dans le nouveau magasin qui s'appelle Le Best. N'hésitez pas à aller le voir si vous habitez à Phare ou Zembouze, Tédin ou au village ou aux villes aux alentours. Alors là, donc il y a Ronald Weasley, Harry Potter et Hermione Granger. Donc là ici vous avez le duel contre Lord Voldemort avec Harry. Alors le petit rayon rouge c'est Expelliarmus, ça c'est Avada Kedavra que je vous montre, que je vous ai montré sur cette roue de magie, donc avec le Mangemort. Donc Avada Kedavra c'est ce sortilège là. Après ici nous avons sur le terrain de Quidditch avec Marcus, je crois que c'est Marcus ou... Non c'est Grégory. C'est Goyle, Gregory Goyle. Dans la chambre des secrets avec le basilic. La maison de la Goude. Voilà donc. Alors la feuille qui est juste ici, bon, ça c'est juste pour mes messes. C'est juste pour les messes car moi je vais à l'église encore. Donc voilà. Donc on va se laisser devant ce petit écran. Donc alors, c'était The Sword 54. Allez, bye tout le monde. Ciao. Ciao!